Tu vas avoir une nouvelle. Il y a quelque chose qui s'annonce à toi. Regarde, on voit de la communication qui arrive. Ça peut être une nouvelle par téléphone ou par une autre correspondance, quelqu'un qui va venir à ta rencontre, qui va t'apporter énormément de joie. On parle d'un renouveau, on parle de quelque chose de nouveau en fait. Ça va t'apporter beaucoup de joie. Ce que tu vas apprendre là, hop là. Ça va te décontenancer, ça va te déstabiliser. Surtout que cette nouvelle, elle arrive surtout dans un moment de ta vie où tu vis comme un échec, comme une leçon compliquée, comme quelque chose de dur. Et pourtant, on te dit bien que la roue tourne et la roue, elle tourne en ta faveur. Ça peut être en lien avec un voyage, en lien avec un déménagement dans une autre ville, une autre région, peut-être même un autre pays. En tout cas, ça peut être aussi un changement professionnel, parce que tu viens de subir un échec relationnel, peu importe en fonction de ce que tu vis. Cette nouvelle va tellement t'apporter de joie après ce que tu es en train de vivre. Ne prends pas ça. Là, j'ai envie de te dire, il ne faut pas que tu prennes ça comme un échec. Il n'y a jamais d'échec, il n'y a que des leçons de vie. On apprend toujours de ce qui nous blesse, de ce qui nous fait mal. Et plus tu seras dans ce lâcher-prise, plus tu vivras ça avec beaucoup plus de détachement. En tout cas, tu n'es pas prête. Tu n'es pas prêt à recevoir cette nouvelle. Il y a vraiment quelque chose de très fort, de très instinctif. On voit vraiment que les choses, elles évoluent, mais vraiment en ta faveur. La roue, elle tourne, enfin. Même si il y a encore toi, ces reliques, ces répliques de tsunami de cet échec, on te dit vraiment qu'il y a une métamorphose de fou pour toi. Mais surtout, tu ne t'attends pas. Pour toi, il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus de c'est bon, je laisse tomber, je drapeau blanc, je laisse tomber, je passe à autre chose, j'en peux plus. Mais c'est sans compter sur le coup de main de l'univers, de tes guides, de qui tu crois. Et on voit bien que les choses, elles sont waouh, exponentielles. Enfin, la roue tourne en ta faveur. Et peu importe la problématique que tu rencontres, ça sera bientôt qu'un mauvais souvenir.